Eh bien, salut à tous! Aujourd'hui, je vous présente un projet sur lequel je travaille depuis déjà 6 mois, la série audio Anticoloc. Vous devez tous au moins connaître une série audio de nom. Peut-être avez-vous découvert le média avec le donjon de Nahalbuck, ou plus récemment avec l'épopée temporelle de Cyprien et Clyde Vanilla d'Antoine Daniel. Pour les autres, eh bien c'est simplement une série, mais qu'avec le son. Donc oui, vous imaginez, niveau budget et liberté d'écriture, c'est assez ouf. Et ainsi, je rebondis sur Anticoloc, série audio de comiques absurdes fraîchement sortie sur YouTube, relatant les mésaventures de trois asociaux qui décident de s'installer ensemble dans un petit appartement parisien afin de s'isoler de la société. Le premier épisode est déjà disponible sur la chaîne du projet et le second devrait sortir très prochainement, les liens en description. Le premier épisode est très dynamique mais ne plonge pas encore totalement dans l'absurde qui devrait s'installer progressivement au fil de la série. Il faut savoir qu'il n'y a pas de planning de sortie pour les épisodes et que ceux-ci sortiront au fur et à mesure de leur production, ce qui laisse aussi une grande marge de progression entre chaque épisode, que ce soit une amélioration au niveau du jeu d'acteur ou de l'ambiance sonore. Pour être averti de la sortie d'un nouvel épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Anticoloc et à cliquer sur la cloche. Toute l'équipe Anticoloc vous souhaite une excellente écoute et espère vous voir très nombreux dans les commentaires. J'espère vraiment que vous porterez votre attention sur ce projet. Moi, j'ai un train qui m'attend pour Massilia, la plage, tout ça. Bon, j'y vais pas pour m'amuser. Mais du coup, je vous ai fait cette présentation du projet Anticoloc en bref. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus précisément plus tard sur la chaîne et potentiellement sur les lives. Mais voilà, moi je vais partir pendant un mois pour régler des affaires importantes. Et je serai de retour, que ce soit pour vous faire des vidéos ou pour continuer à travailler sur ce projet qui me tient énormément à cœur. J'ai hâte d'entendre tous vos retours. Donc voilà, j'ai qu'une seule chose à vous dire les amis. Tchuss et à la prochaine.